Yo! Ben oui. Comme vous le voyez, il y a vraiment un trou dans nos oreilles. C'est même pas un petit putaclic. Ben salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, votre cerveau doit se poser plein de questions. Pourquoi il y a un trou dans nos oreilles? Pourquoi il y a de la neige dans nos oreilles? Pourquoi il y a un carnet à côté de moi qui va mettre un terme à cette vidéo en une demi-seconde? Pas mal de questions. Et écoutez, ben je vais vous apporter les réponses. Et oui, parce qu'on est là pour ça. On est aussi là pour survivre. Pourquoi, voilà, hein, on veut courir. Alors c'est vraiment un trou dans, hein. Regardez, Troodon, il a écrit ça. Pas du tout. Je crois que pour ceux qui connaissent vraiment bien ce jeu, vous avez reconnu la map Venue. Vous avez reconnu que on n'est pas du tout sur Evrima, mais on est sur The Eye Legacy avec un Troodon. Hein, voilà, il y a écrit. Incroyable, incroyable. Incroyable le cri. Hein. Un peu fort, mais incroyable. Stylé les cris, hein. On est d'accord, vraiment stylé. J'entends un carnot, j'entends des carnots. Il y a trois carnots. What? Non mais s'il vous plaît. Aïe 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 aïe. Je suis un peu dans la sauce, hein. Directement dans la sauce. Évidemment je ne peux absolument pas l'affronter, hein. Je fais 25 kilos. J'ai 5 newtons de bite force. J'ai les stats du Vélociraptor dans The Isle. Le Vélociraptor, je vous le rappelle, c'est l'IA. C'est l'IA. Et en fait, tout ça n'est qu'un subterfuge, un leurre. Non, c'est un mode. C'est un mode. What? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah! What? Ta vie. On s'en est sorti vivant, j'ai fui très loin, voilà. Et là, du coup, j'entends un allosaure. Bref, bon, du coup, on va peut-être réussir à parler de ce dont je vais parler, à répondre à vos questions que vous posez, parce que vous voyez quand même que le jeu a pas mal changé. What? Non, ils sont là, eux! Ouais, gentil. Gentil en fait les carnots. En fait ils m'ont suivi. C'est normal, je fais que gueuler. Les Utah ils ont un cri aussi, vous avez entendu. Bon, vous commencez à comprendre qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent là, hein. Vous posez des questions. Moi c'est vrai que je suis un petit peu dans mon mode RP là. Je veux survivre. What? Vas-y. Mais pourquoi vous me criez, vous me courez dessus là? Ils me courent dessus pour me faire peur. Et après ils font des cris gentils genre. Non! Je suis un joueur, hein! Je suis pas une IA, hein! Il est magnifique son raptor! On est potes? On est potes, hein! Tu me fais pas un coup de Trafalgar, hein! J'aime trop ton col! T'es stylé, frérot! Allez, laissez-moi tranquille. Vendelu. Est-ce que j'arriverai à monter sur ce rocher là? Je sais qu'il fait des gros sauts quand même pour un petit truc. Ok. Ok. C'est bon, on est pour Zaï. On va pouvoir parler. Ça y est, c'est bon, je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Eh ben tout ça c'est des mods. C'est pas du tout un nouveau jeu. C'est pas que les développeurs. C'est pas que les développeurs ont décidé de travailler pour nous prendre quelque chose de bien. Non, pas du tout. Tous ces changements dans le jeu, les raptors, les cols, les nouveaux skins pour les dinosaures, la neige et tout ça. Ben tout ça, c'est grâce à Lord Sax. Voilà, lui, exactement. Qui, en fin de compte, depuis des mois et des mois et des années et des décennies. Et peut-être que j'abuse un peu, mais bidouille le jeu, trifouille les lignes de code, va chercher des fichiers cachés au fin fond de l'internet, et a réussi à nous pondre ça, tout simplement, en trouvant des fichiers, en réencodant des lignes de code. Alors ça que ça magouille. What? Fuis! Pour ta vie. Lorsque ça bidouille,
aussi, a réussi à tout simplement trouver des fichiers. Évidemment, tout ça, c'est sur sa chaîne YouTube. Il a fait plein de tutos, plein de vidéos qui expliquent comment faire pour installer. Sur ses vidéos, il montre aussi tout ce qu'il a réussi à bidouiller, tous les nouveaux skins de dinosaures qu'il a réussi à trouver. Et ça rend le jeu vachement intéressant. Il y a énormément de skins de dinosaures, énormément de nouveaux cris pour les dinosaures. Et il y a aussi ça, la neige, voilà, qui change totalement la map. Vous voyez, hein, c'est pas forcément que de la neige rajoutée sur la map. C'est aussi les arbres. Enfin, je sais pas s'il y en a ici, là-bas, ouais, derrière moi. Derrière moi, là, un peu partout. En fait, il y en a partout. Mais tais-toi. Les arbres qui ont perdu leurs feuilles, c'est vraiment la saison hivernale. C'est pas que de la neige sur la map. Il y a aussi 4 saisons. Hein, parce que il y a 4 saisons dans la vraie vie. Et ces 4 saisons, elles peuvent être implantées dans le jeu et jouées. Donc on se demande un peu. Je vais essayer d'aller manger. On se demande un peu ce qu'ils ont foutu, les développeurs. Hein, pour pas avoir mis tout ça dans le jeu. En vrai, on sait pas trop. Mais écoutez, ça peut y être. Yo les gros. Alors il faut savoir que pour les skins des dinosaures, c'est que des skins. C'est que de l'affichage. Ça change absolument pas les stats des dinosaures. Par exemple, moi vous avez vu que mon Troodon est en fait un Vélociraptor. Et qu'il est un peu injouable. Parce qu'il fait 25 kg, qu'il a 5 N de bite force. Et on peut pas faire grand chose avec. Mais en vrai c'est pas très grave. Parce que bah, c'est quand même sympa à jouer. Ça rajoute de l'immersion. Regardez comme c'est beau avec la neige là. Ça rajoute de l'immersion. Et surtout... ça rajoute de la nouveauté. De la nouveauté dans The High Legacy. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis à peu près 1991. Donc c'est quand même pas mal. Et moi, regardez. Je suis hyper hypé. What? Il m'a l'air du danger. Il m'a l'air du danger, mes potes raptors. Je peux pas monter là. Ah! Ok, ok. Je suis caché là, je suis caché, personne me voit. Oh, il y a un petit Gali. Est-ce que j'arriverai à le tuer, le petit Gali? Je l'ai raté. What? Viens là. What, il m'a OS. Il m'a OS, c'est terrible. Je me suis fait OS par un microbe comme ça. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, vous voyez vraiment que c'est que du skin. C'est vraiment que de la déco. Et en plus de ça, il y a d'autres modifications possibles, comme ces magnifiques couleurs que j'ai données à mon Uta. Voilà, c'était vraiment pour abuser, pour montrer qu'il y a d'autres customisations possibles. On n'est pas obligé de faire autant n'importe quoi que moi. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de nouveaux choix dans les couleurs. Je vous dis, allez checker la chaîne de Lord Sax parce que il explique tout. Il y a plein de nouvelles couleurs, il y a plein de nouvelles façons de customiser ces dinosaures. Là, vous voyez que même Luta, il a un skin. C'est le skin de Jurassic Park 3, je crois, si je ne me trompe pas. Et il a aussi des nouveaux cris, comme celui-là. 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 Et celui-là. Et c'est vraiment giga propre. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si vous voulez tester tout ça, évidemment, évidemment, il y a un petit serveur qui est prêt, qui s'appelle Primal Evolved New Time Prog. Le New Time Prog, pour l'instant, il n'est pas encore d'actualité. Voilà, c'est un nouveau serveur où il y a, évidemment, Lord Sax, qui pourra peut-être vous aider si vous allez sur son Discord. Vous aurez toutes les informations là-bas pour jouer avec ce nouveau jeu, ce nouveau The High Legacy, pour avoir le Troodon, pour avoir plein d'autres dinosaures que je vais pas vous montrer tout de suite parce que on va pas tout faire en une seule vidéo. Là c'était la vidéo Troodon, la vidéo découverte de cette nouvelle map qui est vraiment magnifique. Ces mods, ce serveur, il nous offre une nouvelle expérience de jeu. Vraiment. Oh, il y a un aval là-bas. À l'attaque! Qui est vachement immersif. Voilà, j'ai changé le raptor. Hein. Vous avez vu, j'ai fait une petite coupure, j'ai changé le raptor parce qu'on n'était pas trop dans l'immersion. Il y a un truc là-bas là. C'est quoi? Ah, c'est un T-Rex! C'est un joueur! Viens là! Tu vas mourir, jeune tyrannosaure! C'était ça? Je sais pas. J'ai tué un truc, je sais pas trop ce que c'était en fait. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous aussi, vous êtes sur The Isle depuis des années, et que vous voyez que ça ne change pas, que rien n'évolue, si vous aussi vous avez envie de nouveautés, si vous aussi vous voulez des nouveaux dinosaures, si vous aussi vous voulez des cris nouveaux, des environnements qui changent, comme avec cette neige, ou alors avec des petites fleurs pendant le printemps, ou alors avec des couleurs automnales,
Si vous aussi vous voulez du changement, le changement, c'est maintenant. Peut-être pas obligé celle-là. Mais voilà, si vous aussi vous voulez tout ça, moi j'ai qu'une chose à vous conseiller, c'est de venir sur ce serveur, d'aller sur le Discord. Vous verrez, c'est très facile pour installer tout ça. Ça prend vraiment 2 secondes. Vous avez tout ce que vous voulez, tout est à disposition, tout est gratuit. Donc voilà, c'était une petite vidéo trop donc, petite vidéo informative où je vous informe que ce jeu n'est pas mort, qu'il y a encore des choses à faire, encore plein de choses à découvrir, grâce à des gens comme Lord Sax qui, tout simplement, donnent de leur temps pour continuer à faire vivre ce jeu. Chose que les développeurs n'ont visiblement pas trop envie de faire, hein. Parce que je vous le dis, c'est vraiment pas compliqué, ils auraient pu le faire. C'est juste des fichiers à implanter dans le jeu. Ils les avaient, ils ne l'ont pas fait. On saura peut-être un jour pourquoi. Un complot de Dondi. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On a toujours cet objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors bombardez les abonnements, allez checker la chaîne de Lord Sax, mettez un pouce bleu. Tchuss.